Il faut simplement élire une jeune femme qui a envie de parler et de défendre les causes qui nous tiennent à cœur. Image rare du féminisme qui quitte mon corps quand ce soir à 21h j'allumerai la télé pour regarder Miss France. On peut participer à Miss France et être féministe. C'est un moyen de prendre la parole sur plein de sujets. Aujourd'hui, on pose beaucoup de questions aux candidates en live pendant le prime, des questions qui ne sont pas préparées. Et donc, il y a plein de sujets de société qui sont abordés. Il faut simplement élire une jeune femme qui a envie de parler et de défendre les causes qui nous tiennent à cœur. Les candidates trans pourront se présenter à Miss France. Invitée au micro de Sud Radio, Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente de la société Miss France, a confirmé la nouvelle. Geneviève de Fontenay, qui avait fait part de son évolution, peut avaler son chapeau. Il faut être en accord avec l'évolution de la société. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'être une femme civilement. Qu'on vienne d'un parcours transgenre, voilà, où on a changé de sexe, etc. Peu importe, en fait, finalement.